Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Mercredi 27 juillet, le FNDC, Fonds national pour la défense de la Constitution, a porté une accusation contre la présidence de la République en indiquant deux pick-up remplis de t-shirts auraient sorti de l'institution pour s'appeler la manifestation prévue ce jeudi. Interrogée ce jeudi 28 juillet 2022, la présidence a apporté un démenti sur cette accusation. Selon Moussa Moïse Sylla, ce n'est pas de la présidence que sortiront des t-shirts pour saper une quelconque manifestation. Selon le directeur de la communication et de l'information de la présidence hier, la première institution du pays avait des préoccupations plus importantes, à savoir la signature et la création de la compagnie transguinéenne pour le démarrage effectif du projet Simando. Hier, la présidence était occupée à quelque chose d'ambigu international, à savoir la signature de la création de la compagnie transguinéenne pour le démarrage effectif du projet Simando. Le président de la transition, le ministre directeur de cabinet, tous les membres du comité stratégique du projet Simando de la présidence étaient occupés à cela. Il y a des eaux souillées dans lesquelles on ne trempe pas. C'est peut-être des pratiques d'avant, mais nous, on n'est pas inscrits dans ça. Donc, ce n'est pas de la présidence que sortiront des t-shirts pour saper une quelconque manifestation. Nous nous occupons du destin du peuple de Guinée. Nous travaillons au quotidien pour amener des réponses idoines aux différents problèmes qui assaillent nos populations. C'est à cela que nous nous attenons, a précisé Moussa Moïse Sylla, directeur de la communication et de l'information de la présidence. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Restez abonnés et scotchés à la chaîne. Partagez avec vos amis reconnaissance si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.